Nous félicitons Zulu Mambo. Hein, voilà, Zulu Chibingu. Hein. Tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment parce que. On apprend que. Moi j'ai déjà vu. Voilà. Toi au moins. Fanya ni chege mereka loko. Mami, c'est quoi Chris? Mami. Mami, c'est. Normal. Non, mami, ça vient de. Non, on ne comprenait pas mami. En Égypte pharaonique, na mami, il y a ma femme. Il y a ma femme ni. Banglais, maintenant, va faire Madame Kesma. Donc, un Anglais peut appeler sa femme mami. Mami qui veut dire maman. Il faut se respecter la femme. Mais ce n'est pas ce que Deba m'a dit. Il considère la femme comme étant faible. Il dit, nous on a momi, c'est-à-dire que tous les adversaires de débat sont des femmes. Une histoire moulefou, parce que ça nous dit beaucoup alors beaucoup de choses. Tatou Kalamba, danger de mort face à Zulu Mambo, Fisto Tiba Sumpiana, El Tchapekwense, équipe nationale A, Radio-Télévision Canal Lubumbashi. Merci. Comme organisateur, président Zouzou, président Frémi Kalela, Mukumali, Frémi Frekam. Merci quoi c'est que Jili Kalala. Tu n'as pas de canne à mon stade, nous n'avons pas de foyer social. Oui, parce que tu es de la Katouba, on comprend. Mais nous sommes au stade. Non, il fuit de la Katouba. Il fuit. Oui, il fuit de la Katouba. La maternité reste de la Katouba. Bien joué, Béthiabé, bien joué. Voilà, il s'appelle Tatou Kalamba face à Zulu. Ce combat ici, ce n'est pas la première fois que ces deux belligérants catchent. Il s'appelle Tatou Kalamba, il est accompagné de son fils, il est du club Kansonda. Kansonda, c'est une arme de destruction massive, mais ce n'est pas une arme normale comme ça, c'est une arme de la superstition. Voilà, c'est une arme quand quelqu'un vole, quand quelqu'un fait du mal, on utilise Kansonda la nuit pour le tuer. On ne voit pas cette arme-là, mais c'est une arme dangereuse, Kansonda. Mais il est de ce club-là, il s'appelle... Tatou Kalamba, accompagné de son fils que vous connaissez bien. Voilà, le club Kansonda, c'est un club qui réunit les différents catcheurs ressortissants du Kasaï. Là, il y a Poison, il y a Yamado, il y a Héritier. Donc, ils sont là en train d'accompagner Kalamba. Je rappelle que Kalamba fait partie de l'histoire des Bakuba. Donc, Bakuba, à l'époque, c'est Kasaï occidental. Donc, c'est là, même si vous voyez Kalamba, la tenue qu'il a mis là, c'est le tissage de Rafia. Ça nous rappelle les rois Chambabolongongo. Oui, il faut rappeler que. Les Bakuba, c'est un empire des gens, des artistes, parce qu'il y a même des histoires que ces gens-là ont créées, ça se trouve en Europe. C'est un empire de la RDC qui se trouve au centre du pays, qui a fait beaucoup d'œuvres artistiques. Voilà. Parce que Chambabolongongo était un grand voyageur, en même temps un grand innovateur. Il a appris à son peuple le tissage de raffia, tout ça, la sculpture, tout ça. Voilà. C'est déjà le début de ces commandes, mesdames et messieurs. Kalamba face à Zulu Mambo. Kalamba, c'est un grand technicien aussi. Son fils, Danger de Mort, est en train d'exhiber un tout petit peu la danse. Danger de Mort interviendra. Zulu qui a reçu un claque. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Zulu, allez, pas bombe. Kalamba, apparemment planté, Grisidou. Planté. Paring, il y a Ligue Yao Katanga, coupé. Tatou Kalamba, n'a quoi tchigny. Zulu, mwenye bukomvi, Zulu Mambo. Un vrai bord, Zulu Mambo Amou, Katouba parfois, vrai bord, parce que... Il maîtrise mieux le foyer là. Il est bord. Pas seulement le foyer, il s'appelle Mounta Bukomvi parce qu'il a appris d'abord la frappe. Il a été formé par Jibik, il assure la discipline. Hein. Même quand il faut sécuriser les journalistes dans une compétition, il le fait. Et donc c'est un monsieur fort qu'il faut féliciter. Voilà, nous félicitons Zulu Mambo. Hein, voilà, Zulu Chibingu, hein, c'est son vrai nom. Chibingu ou Chichi, c'est son vrai nom. Alors Zulu qui est en train de laminer, de donner des coups à Kalamba. Kalamba est méconnaissable. Qu'est-ce qui va se passer encore? Ça sera une autre projection. Zulu qui a soulevé Kalamba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, Kalamba qui sort de ses mouvements. Voilà, il a contré Christophe. Zulu n'a qu'à Wassana. Il va aller comme Tandika qui vous nous chigne, mais parce qu'il est mystique, pas mystique. Il fallait intervention à Tatou Kalamba. Il n'y a pas de Yango. Oui, c'est la musique, mais en réalité, ce n'est pas la musique. C'est quelque chose que l'on cache là-dedans. Oui, c'est ça qui fait même plaisir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment parce que
Ce qui fait payer les véhicules, les maisons, c'est la musique que Chris Nzeou. Mais ce n'est pas la musique, c'est quoi? Bon, là, non, mais c'est la musique. Là, c'est la musique. Oui. Bon, si vous voulez faire la critique historique ici, vous pouvez comprendre autre chose. Mais ça, c'est la musique, c'est ce qu'il fallait dire. Mais d'autant plus que vous êtes historien, dites-nous un peu, selon la critique historique, ce n'est pas la musique, c'est quoi? Bon, c'est. Quand on est à la télé, c'est un truc là, du genre amoureux et tout ça. Alors, on ne veut pas faire trop de commentaires. On évolue. Dans les rings, encore un claque. Saut chassé. Et là, Zulu Mambo. Et là, Kalamba lui a contré. Il a donné un coup superstitieux. Allez, c'est le début des invocations. Kalamba qui va terminer, bien sûr, sa course par les invocations. Et d'ailleurs, c'est son fils, Danger des Morts, qui doit s'introduire pour finaliser ce combat. Oui, il s'appelle Danger des Morts, son fils du club Kansonda. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tué par Kansonda? Bienvenue, Kamou. Bon, ici, nous sommes à Lubumbashi, peut-être au Kassai, oui. Mais on apprend que... Mais moi, j'ai déjà vu. Voilà. Toi, au moins, tu as déjà vu. Une, deux, malheureusement. Malheureusement, il n'y a pas eu... Il n'y a pas eu deux, il n'y a pas eu trois. Danger des Morts qui va pousser Zulu à la danse. Zulu, est-ce que Zulu va danser? Zulu est là. Zulu voulait arracher. Allez, faites la fin. Chris Nzeou, une, deux, malheureusement Chris Nzeou. Zulu Mambo! Moi, je vous convie face à Kalamba. Oui. Qu'on a respect. Au régime. Mais là, c'est au régime. Pardon, danger. Pardon. Où les Zulu n'ont pas pu Ana Ah non, attention. Victoire de Tatou Kalamba. Regardez ce petit garçon. Un garçon. Un petit garçon, moins de 15 ans, il appelle Juif sur le tatami et Antilope. Voilà, il va devoir. C'est la danse au rythme de Tatou Kalamba et son fils après la victoire de ce dernier. Une projection. Regardez, voilà, c'est fini. Une projection Kansonda. C'est du Kansonda. Chris Nzeou, le panier est terminé. Voilà. Le fils de Tatou Kalamba a fait la fureur sur le tatami. Grave. Vraiment la fureur. Tatou Kalamba, danger de mort. Courage, quoi, Tatou Kalamba. Bon, félicitations, parce que félicitations. Nous avons eu Ushindi. Ushindi, nous avons eu Isidore. Tumba Missi. Erten Sekatanga, Djibril Aruna, merci de la part de Fisto Tiba Sumpiana, Grévis Lumbu, Baudry, Boulaou. Papa, toi couleur. Où est papa? Toi couleur. Attention, il faut faire attention avec danger des morts, puisque danger n'est danger. Quand on a seulement danger, car là, il y a bien, danger de Mbaya, mais pour l'instant, Tchini, maman, attention, Juif, Antilope, Bana Pepuka, Karibuna Fistoti Basumpiana, Banenda, Abendendeki, Banenda Mpanya, Tordia, Namboli, danger des morts. Arbitre, maman, Zulu, on a fait ça bien, ça, na fisto, Zulu. Et Zulu n'est pas assisté, Chris Nzeou. Moulozi devrait être là, parce que Moulozi, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la superstition. Il devait être là pour assister Zulu, parce que Zulu, lui, n'aime pas ça. Zulu ne peut pas être assisté, il est face à un enfant, c'est un petit enfant. Comment il peut danser comme ça? Un enfant, sur le plan biologique ou chronologique, mais sur le plan spirituel, c'est pas un enfant. Allez, Zulu, il continue encore à exhiber les pas de danse. Et Zulu, tu continues à danser. Voilà, allez. Il est désactivé. Nous allons prendre Kalamba et son fils, Danger des Morts. Et c'est d'abord la danse avant l'intervention. Danger des Morts, combat le Kindeni. Elle est bien, Gana et Koloka Jibi.
Vous trouvez Zulu Ndeni. Mais Betty, papa, n'est pas fort. Ngai Nazé champion. Yo. Vous gagnez la style. Yakisi. Yakisi. Olubini ne mettre. Comment est-ce qu'il va Betty fort? Ngai Olubini Zati. Dans un démon en Akoluba, à l'occasion à ma casse, Yemoko, our champion sur Basaliawa, Yemoko, le Kazuka, Kacher, Nina, ma casse, champion dans un mot, Azoluko, our. Yo, someone on a yo, Zarien, someone on a yo, Zarien. Sauvez le beau Tilelou. Au beau Tilelou, le beau Zaman à Kindouk. C'est pas le beau Zaman à Suna Kindouk. Voilà. Fallait moi, non, c'est la Kindouk. Pour moi, la vie, c'est ça, c'est ça. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Comprenez-moi, la moko. Et ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, nous allons demander aux organisateurs. Zulu, Bakou Naje, Bakoubana bien, frappe Mani, Bakou Naje. Bon, moi, je suis venu à ma bine tous les bénins. Chinana Biongouf. Je suis un peu plus fort. 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 Je